publique et si secrète qu'il se fait appeler l'homme du silence, vit dans une abbaye cistercienne aux confins des grands vignobles de Bourgogne. Depuis 27 ans, sa collaboratrice, Marguerite Lallier, est à ses côtés. Elle seule sait peut-être qui est le vrai Saint-Romand. Convoqué à une réunion ministérielle imaginaire, Marcel Saint-Romand tombe dans un guet-apens et se fait enlever par deux truands. Sa disparition, son assassinat peut-être, risque de soulever des tempêtes et sur l'initiative du gouvernement, l'enquête est prise en main par le commissaire Nicole Vinclair de la DST. Mais bientôt, une autre femme apparaît dans l'affaire Saint-Romand, Judith, la nièce et la préférée de Marcel. C'est une femme d'affaires forte et déterminée qui a décidé de quitter son mari, Germain Saint-Romand, pour aller vivre en Amérique avec son modéliste Harald. C'est à ce moment qu'elle apprend que Marcel, par instruction spéciale à ouvrir en cas de malheur, lui confie son empire. Je vous regardais dormir. Vous aviez l'air d'un bébé heureux. Mais au réveil, c'est autre chose, hein? Mais c'est qui parle? T'entends, petit Joe? Il parle. Il parle, oui, mais il a soif. Petit Joe, fais un café à papa. Et ça débouche sur quoi, tout ça? Ça débouche sur un énorme paquet de fric. Oh là 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 là! Quoi, oh là 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 là? À cause des risques. Si vous m'avez enlevé, vous savez qui je suis. Et si vous savez qui je suis, vous savez aussi que... vous avez déjà toutes les polices du territoire sur le dos. Vous me prenez pour un amateur. Et... je vaux combien? 1 milliard. 1 milliard. Vous me flattez. 10 millions, si vous voulez. Nous, les pauvres, on compte en milliards. Un madrier, si tu préfères. Tu vois, nous aussi, on connaît l'argot boutique. Quelle culture. Alors, ce café, ça vient? C'est prêt. Un sucre ou deux? 100. Fais gaffe. C'est brûlant. Aïe! Un café. Monsieur est servi. C'était l'heure de son café, papa. Faut surtout pas changer ses habitudes. Je suis venu, tu vois.
Oh. Harald, je ne pars plus. Tu lui as pas parlé? Non. Ah bon? Je peux savoir la raison de ce brusque changement de cap? Non. Un coup bas des Saint-Romans, je suppose? Mais non, je peux rien te dire pour le moment. Sache que je t'aime. Un jour, tout s'arrangera. Tout s'arrangera? Oui. Hier, tu décides enfin de tout abandonner pour me suivre, hein? Tout avouer à ton mari. Et puis aujourd'hui, tu fais volte-face comme ça, sans me donner aucune explication. Mais tu me prends pour qui, Judith? Hein? Un jour, je reviendrai le chercher. Je t'expliquerai tout. Tout. On sera heureux. Hein? Essaye de m'attendre. Hein? Judith! Ici Tariq al-Jadid, nous retenons ton frère Marcel et nous voulons 1 milliard. 1 milliard que tu verseras avant 3 jours en suivant bien les instructions qui te seront communiquées plus tard. Tariq al-Jadid vaincra. Oh, j'ai une proposition à vous faire. Ah, oui. Personne en France ne considère jamais comme une catastrophe qu'un homme riche disparaisse de la circulation. Ma famille, je la connais. Les uns vont être d'accord pour payer la rançon. Les autres, non. Certains vont vouloir avertir la police. D'autres, non. Ça peut durer des semaines. Peut-être des mois. Je suis plus très jeune. Je crains l'ankylose. Bon, allez, abrège. Quelle est ton idée, papa? Vous me libérez. Oh, bête. Et je vous fournis 2 passeports. Un pour vous, l'autre pour l'artiste. Vous passez en Suisse. En arrivant à Zurich, vous trouvez à la Citibank l'équivalent en francs suisses de 5 millions. Pardon, d'un demi madrier. Dis donc, 500 millions, c'est que la moitié de la mise, ça. Ah oui, mais cash. Avec 100% de risque en moins. Ça me plairait bien. Malheureusement, je peux pas. À cause de vos commanditaires? Y a tellement de monde derrière vous? Si on te le demande, papa, tu diras que t'en sais rien. Ici, Tariq al-Jadid. Nous retenons ton frère Marcel. Et nous voulons 1 milliard. 1 milliard que tu verseras avant 3 jours, en suivant bien les instructions que tu as communiquées plus tard. Monsieur, tenez, ce sont les derniers chiffres, si. Mais qu'est-ce qu'il fout, ça, Roman? À 1225, son offre a dépassé de 5 points, et son OPA est en train de lui passer sous le nez. Et vous croyez qu'il laisse tomber? Ou qu'il est en fuite? Il a 2 façons de fuir, cher ami. En courant comme un lâche, ou sur place comme un robinet. N'oubliez pas que Saint-Romand se fait appeler l'homme du silence. Maître Morin-Morlan, que faites-vous ici? Vous vous êtes trompé de palais. Bonjour. Non, j'accompagne simplement un ami italien, le signor Paramicci. Monsieur Martin Roger, l'un des hommes clés du comité Turgot.
Vous savez qui est le signor Paravicini? Bien sûr, l'homme de confiance du commandateur, je sais. Dites donc, ça bouge? C'est bien la première fois que notre ami Saint-Romain rate son coup. Vous croyez vraiment à un ratage? Ça m'en a tout l'air. Et ça m'ennuie parce que la commission des opérations de bourse chez nous ne va pas être contente. Saint-Romain est notre conseiller financier au comité Turgot. De quoi vous plaignez-vous? Saint-Romain disparaît, le comité Turgot le fait sauter, vous êtes tout désigné pour prendre sa place. Doucement. Vous allez trop vite en besogne. Mais je vous le concède. Vraiment pas de chance, Saint-Romain. Ils n'ont pas voulu me croire il y a 2 ans quand je les ai prévenus. Allez, cher maître, à un de ces jours. Et mes respects au commandateur. Je lui passerai les messages. Il nous attend ce soir à Château-Bougeot. Peut-être aurons-nous la chance d'y rencontrer Marcel Saint-Romain. On ne peut pas être absent de partout, n'est-ce pas? Je vais vous décevoir, monsieur Lenormand. Tiens, on se connaît? Non seulement je lis les journaux, mais j'aime bien regarder les images. Et comme vous n'êtes pas avare de publicité... Oh, ça va. Tu vas me décevoir? Oui. Pour votre milliard, je suis pas optimiste. Ah bon? Et on peut savoir pourquoi, papa? Parce que non seulement, comme je vous l'ai déjà dit, ma famille va se faire tirer l'oreille... Mais aussi parce que le banquier des Saint-Romain, c'est moi. Et que moi, je suis ici. Et qu'avant de me laisser embarquer par vous comme un gamin, j'ai donné des ordres à mes ordinateurs. Et que j'ai fait bloquer tous mes comptes. Ça va, tu peux le lever. Et que plus un sou ne peut sortir des banques. Par conséquent, pour vous, c'est l'impasse. Dans ce cas-là, pour toi. C'est le bout de la route, papa. Rien n'est clair dans tout ça. Un enlèvement, oui, d'accord, mais... crime crapuleux, affaire d'État, terrorisme... mystère. Je vais prendre un exemple. Nous savons, je l'ai dit au ministre, et c'est d'ailleurs pourquoi nous, DST, héritons de cette affaire, que les 3 cadavres retrouvés sur les lieux de l'attentat appartiennent au Tariq al-Jadid, groupuscule terroriste peu connu de nos services. Conclusion évidente, c'est le Tariq qui a enlevé Marcel Saint-Romain. Alors, permettez-moi de vous poser une seule question. Si c'est le Tariq al-Jadid qui est à l'origine de cette histoire, pourquoi y a-t-il 3 morts à lui sur le terrain? C'est peut-être eux. Peut-être un groupe rival qui les aurait supplantés à la dernière minute. Mais alors là, ça deviendrait franchement rocambolesque. Ou alors... un leurre. De vrais terroristes qu'on utilise, puis qu'on élimine... pour nous faire croire à cette version des faits et dissimuler sous ce réseau de fumée... les vraies raisons et les vrais manipulateurs. Alors? Alors rien. Je ne fais que me poser des questions. Et par la même occasion, vous les posez à vous, messieurs. Car ne nous trompons pas. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Il va falloir frapper tous azimuts. Et d'abord, parlez au plus pressé, parce que ça va bouger de partout dès qu'on va subodorer la disparition de l'homme du silence. Déjà, la bourse... Vous nous aviez demandé 48 heures, monsieur de la Boissière. Au moins. Athènes. Ça vous paraît vraisemblable pour une négociation menée par Marcel Saint-Romain? Vraisemblable, oui. Mais faux. Non, mais enfin, madame. Vous allez mêler l'administration des finances à la fabrication d'un faux? Non, mais vous savez où ça peut nous mener? La vérité est la forme la plus inefficace de la connaissance, monsieur l'inspecteur général des finances. C'est Schopenhauer qui l'a dit. Dis donc, on annonce Saint-Romain à Athènes. Et chargé d'une mission par le gouvernement. Saint-Romain, d'habitude, c'est l'homme du blackout. Et là, regarde, on annonce que Fantomas est sur l'Acropole. Ça cache du lourd, ça, non? Qu'est-ce que je fais, je diffuse? Non, non, tu demandes confirmation à Matignon, et s'ils te répondent qu'ils sont pas au courant, tu me préviens, hein. Ah bon, d'accord. Ok. Okay.
C'est tout? C'est tout. Le ravitaillement, c'est pas au point. La police? Ah, la police. Non, merci, ça ira très bien. T'excites pas trop, papa. Pour l'instant, elle s'occupe des péquenots qui se manifestent. Elle tourne dans les raisins de la colère. Belle culture cinématographique. Belle culture tout court. La vie des 12 Césars, je connais. Et sur la réforme, je suis imbattable. Le duc de Guise et la Saint-Barthélemy, quand même plus fort qu'Al Capone et la Saint-Valentin, non? Guise. Quoi? D'aucuns prononcent Guise. Ça va. Contrairement à ce que vous pourriez penser, monsieur l'illustre Pinardier, je ne suis pas un primate. Oh non, au contraire. Au collège, j'étais même très doué. Premier en histoire, en physique, en mathématiques. Et en gymnastique? Ça va de soi. Malheureusement, au bout du compte, j'en ai échappé pour 2 fois 20 ans. La première pour un flic au tapis, et la seconde pour un malheureux qui passait par là. Mais attention! 2 évasions superbes. Et pas à l'aide d'hélico ni de porte-avions. Non, 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 non. La psychologie. Uniquement la psychologie. Les jardines sont un peu salées. Je pourrais pas avoir un petit verre de vin rouge? En tôle, il y a que de l'eau. Bon. Ça, c'est pas que je m'ennuie, hein. Remarquez, monsieur Lenormand, que je suis fasciné par le récit de vos exploits, parce qu'un jour, à Fleury-Mérogis, un jour dans un palace de consurcière, merci. Une nuit au Mitard, une nuit au Waldorf, ça évite la monotonie. Le train-train. Ça m'embête un peu que vous m'ayez raconté tout ça. Because? Parce que je suis un anxieux. Parce que je pense que si vous montrez tout nu comme ça devant moi, un visage découvert, c'est que vous savez déjà que je ne pourrai plus jamais en parler à personne. Vous croyez qu'une fois que j'aurai touché la rançon, je vais vous buter? Eh. Et c'est dommage. C'est dommage parce que si j'étais sûr de sauver ma peau, mais vraiment sûr, je vous dirais moi comment on peut s'y prendre pour obtenir plus. Je comprends pas. Je vous dirais par exemple, mon cher ami, puisque vous m'acceptez comme conseiller financier, c'est pas 1 milliard que nous pouvons demander, mais 2. Et je vous le répète, ma famille ne paiera pas. Mais d'autres, en revanche, peuvent avoir intérêt à s'allonger. Dis-moi, tu cherches à gagner du temps ou quoi? Le comité Turgot, tu connais? Ben alors, écoute-moi bien. La Bourgogne, c'est l'apparence. La partie visible de l'iceberg. Je suis avant tout conseiller exécutif du comité Turgot. 49 PDG, 850 000 salariés ou sous-traitants, toutes les industries françaises de luxe. Et je ne parle pas des banques qui sont derrière. Et attention, les bonnes, les 200 avec qui on travaille dans le monde. Et c'est moi qui ai la clé du coffre. C'est au comité Turgot qu'il faut demander le premier milliard. Et quand ceux du comité auront payé, mon frère ne voudra pas perdre la face. Et il crachera à son tour. 2 négociations séparées. Et comme ça, vous les aurez, vos 2 milliards. Faut voir. Oh, c'est tout vu. Les affaires, on les fait vite, on les fait pas. Ah ouais, c'est comme les femmes. On les baisse tout de suite, ou on les baisse pas. Voilà. Chabaret,
le secrétaire particulier de son Altesse le Prince Farad. Je voudrais parler à Madame Jeanne-Marie Doller. D'accord. Choukran. Oui. Allô, Madame Doller. Oui, c'est moi. T'as quelque chose pour écrire? Oui. Alors écoute bien ce que je vais dire. Un milliard que tu verseras avant 3 jours, en suivant bien les instructions qui te seront communiquées plus tard. Tariq al-Jadid vaincra. Jean-Claude, il faut que je te parle. Viens me rejoindre dans la salle du conseil. Ah, monsieur l'ambassadeur, permettez-moi de présenter à la baronne Horberg et à votre excellence mon mari. Mes hommages. Oui, père, qu'est-ce qui se passe? A échappé à Marcel. J'espère simplement que le nom de Saint-Romand ne sera pas mêlé à cette nouvelle combine. Si ce n'était que ça, ce ne serait rien. Ce que j'ai à t'apprendre est beaucoup plus grave. Marcel a été enlevé par un groupe terroriste. Je viens de recevoir une demande de rançon sous forme de cassette. Enlevé? Oui, enlevé. Ça s'est passé quand? Cet après-midi. Il demande combien? Pouf! Colossal. Ça vous paraît sérieux? Ça ne me paraît pas, c'est sérieux. Très sérieux, dramatique même. Marcel est en danger de mort. On pourrait dire que celui-là, il y a des moments où il arrange les choses, et d'autres, plus fréquents, où il les complique. Vous avez prévenu la police? Tiens-toi bien, c'est un commissaire de la DST qui m'a téléphoné pour m'apprendre que Marcel était à Athènes pour le compte du gouvernement. Qu'est-ce qui nous dit que Marcel n'a pas été enlevé par une grande blonde?
au vieux Père Vange. Hein? Qui ne tient pas la banque au Palm Beach. Mais assez, assez, Jean-Claude, je t'en prie. Merci. Je reviens, chef. Bonsoir. Bonsoir. Tu aurais pu me prévenir que tu seras accompagnée, Marie-Laure. Tu sais bien que les places sont comptées. Hein? Ils nous ont bien emmerdé, la DST, dans l'affaire d'Angoulême. Hein? Eh ben, on va leur montrer qu'aux renseignements généraux, on n'est pas des paléolithiques inférieurs. On va les doubler si vite qu'ils n'auront même pas le temps de nous voir passer. Saint-Romand n'est pas à Athènes. Si, monsieur. Il a été enlevé par une bande de terroristes qui réclame une rançon énorme à la famille. Combien? Ah ben ça, j'ai pas eu le temps d'entendre, mais ça fait rien. J'allume la mèche. Dis-nous, mon petit bonhomme, tu crois pas que tu exagères un petit peu? Judith, tu es belle, tu es intelligente, tu mènes tes affaires en bon tambour-major. Mais nous, les Saint-Romans, ça fait des siècles que nous sommes ici chez nous. Et moi, ça fait un an que Harald travaille pour moi. Je ne tiens pas à le perdre pour ton goût immodéré pour les galipettes. Hmm? J'ai ce problème comme ça, d'accord? Mais Galipette, c'est mon affaire. Un aveu toutefois. Harald Laguenex n'a jamais dépassé le simple plaisir de la provocation. C'est intelligent. Et en plus, c'est lui qui m'a demandé de l'accompagner ici ce soir. Alors excuse-moi, ma tante, mais je préfère aller embrasser ton mari. Lui, au moins, il est gentil avec moi. Bah, comment ça, si c'est important? Important. Allô, allô, chef, ouais. Ici, c'est du Gard. Bon, bah voilà, tenez-vous bien. J'ai de quoi coincer la DST dans l'affaire Saint-Romand. Je suis sur la fréquence police. Au nom de Dieu, j'ai un scoop. Par Noé, père de la vigne, par Bacchus, dieu du vin, par Saint-Vincent, patron des vignerons, nous armons grand officier de notre confrérie. Je vous remets le grand cordon, le grand officier de notre confrérie. Merci, c'était un grand honneur pour moi. Et nous appellerons maintenant Madame Ivy Cooper. Madame, vous nous faites grand honneur en venant jusqu'à nous de l'Orient lointain, sur lequel vous régnez, si j'ose dire, autant par votre beauté que par vos actions. Qui pourrait croire, en effet, à vous voir aussi resplendissante de vie, de grâce, de parure, que vous assurez également la vice-présidence effective de la banque la plus importante du Pacifique Sud, la South Pacific Bounty Trust de Hong Kong, et que vous vous employez avec acharnement à développer les rapports financiers, commerciaux et industriels entre la vieille Europe et cette partie du monde qui représente l'avenir. Acceptez, je vous prie, en signe de notre gratitude, de devenir chevalier de notre ordre. Vous en serez désormais la plus glorieuse illustration. Merci. Dis donc, tu
Tu sais ce qu'il vient d'annoncer sur Radio Blue Sky? Qu'est-ce que c'est que ce truc-là encore? Des rigolos qui émettent à Auxerre depuis 10 jours sur 1114 MHz. Ils viennent de capter une information sur une fréquence réservée à la police nationale. Outre nos langues occidentales, vous parlez les langues japonaises, chinoises. Vous étiez appelé un grand destin, monsieur Frank Keller. Il fut exact au rendez-vous puisque vous voici un des tout premiers avocats d'affaires de Tokyo. Mais ce qu'il y a de plus surprenant encore, c'est que vous êtes également un des tout premiers spécialistes de l'art roman bourguignon. Et si vous êtes parmi nous ce soir, c'est que vous avez pris une année sabbatique pour rédiger un ouvrage capital sur nos vieilles abbayes du XIe et du XIIe siècle. En vous remettant l'insigne de notre confrérie, je suis fier de vous compter désormais parmi nous. De qui Lurton. Ah. Oh, merci, madame. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas l'air en forme. Ah, c'est ça. Non, mais j'y peux pas. Il blague. Vous, dites-moi, il paraît que vous vous installez quelque temps parmi nous en Bourgogne. Oui, certain temps. Mais où est-ce que je dois visiter, répertorier tous vos monuments cisterciens? J'ai un petit carnet sur lequel je vais répertorier tout pour faire un livre après. La Bourgogne, vous savez, c'est mon pays. Ah. Et vous pourriez me servir de guide? Ah ben, si vous pensez que je puisse vous être utile, oui. Utile? Vous seriez indispensable. Père, père, je vous prie de m'excuser. Le dessert arrive. Vous devez lui dire un mot pour Marcel. Oui, tu as raison. J'y vais. Excusez-moi. Brancher la sono, j'ai un mot à dire au micro. Tout de suite, monsieur Sénateur. Arthur! Ah ben, laissez faire. Il s'agit de Marseille. Le comité Turgot vient de recevoir une demande de ressort. Ça, je m'y attendais. Il faut absolument que nous nous retrouvions à Paris demain matin, je vous expliquerai. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, mes chers amis, permettez-moi de reprendre la parole contrairement à l'étiquette. Mon frère Marcel étant absent, m'a fait passer un message. Il est en mission officielle à Athènes. Il me charge de vous transmettre toutes ses amitiés et ses compliments. Maître Morin,
Morland ? Oui, c'est moi. Madame Morin-Morland vous demande au téléphone. Excusez-moi. La cabine est dans le hall d'entrée près du vestiaire. Flash de 22h sur RTL, t'es sûr? Ouais. Ils vont sûrement remettre ça. À 23h, c'est dans 20 minutes. Écoute, je te laisse, j'ai une idée. Je t'embrasse. Dis-moi, jeune homme, est-ce que vous pourriez vous procurer un poste de radio? Ça peut se faire. Et le brancher sur la sono du Grand Cellier? J'ai une petite surprise à faire à des amis. Notre flash de 23h, une dépêche de l'AFP en provenance d'Athènes a signalé en fin de matinée la présence du président Marcel Saint-Romand dans la capitale grecque. De sources diverses mais sûres, nous avons appris que cette nouvelle était erronée. Malgré les démentis d'usage de Matignon et des finances, nous sommes contraints d'annoncer que Marcel Saint-Romand a été victime d'un enlèvement et que ce rap a été revendiqué par un groupuscule terroriste. Nous viendrons bien entendu informer du développement de cette affaire. Vous cherchez un emploi? Un club de rencontre, peut-être? Si c'est pour les placements avantageux, il faut lire la page économique. Dites donc, plutôt que de bouder chacun dans son coin, si on passait dans la salle de jeu pour faire un petit poker. Ah, l'artiste trouve ça à son goût. Ah ben moi, je suis plutôt pour, moi. Bon, alors déménage. Et je vous préviens, je joue des allumettes. Un petit scotch? Non, jamais. C'est un sport, le poker. Ça exige de la sobriété. De l'eau. Rien que de l'eau. Attendez deux secondes. Enfin, pourquoi toutes ces précautions? La vie de Marcel est en jeu. Nous devons nous méfier de tout. J'avais déjà deux policiers à mes trousses. Vous voyez, tout cela est à Marcel. C'est extraordinaire.
Vous êtes la seule à connaître cet endroit? Non. Pas la seule. Mais la famille, en tout cas, n'est pas au courant. Ici, nous sommes chez Louis Laville, haute couture. Et Louis Laville, c'est aussi votre oncle, parmi beaucoup d'autres choses. Nous avons rendez-vous ici avec Jeanne-Marie Dollaire. C'est la directrice de Marcel chez Laville. Les ravisseurs l'ont contactée. Elle est en train de se battre pour lui, afin d'obtenir les fonds du comité Turgot. N'oubliez pas, messieurs, que nous sommes le comité Turgot. En fait, la carte de visite de la France à l'étranger. Et que nous faisons vivre près d'un million de personnes. Votre ami a raison. Et n'oubliez pas non plus que Marcel Saint-Romand, qu'il nous a rendu par le passé de signaler service, se trouve actuellement dans une mauvaise passe. Son opération en bourse a mal tourné. 10 millions pour une affaire d'intérêt général, l'histoire est réglable en un quart d'heure. Mais 1 milliard de centimes, peut-être pour une escapade, ça ne me paraît pas judicieux. Alors, messieurs, passons au vote. Qui est pour la mise à la disposition de Madame Jeanne-Marie Dollaire de la somme de 10 millions, hors budget ordinaire? L'affaire est entendue. Mon cher vice-président, pouvez-vous faire part de notre décision à Madame Dollaire? C'est parfait. Ne me dites pas que le comité Turgot refuse de payer une rançon de 10 millions pour sauver la vie d'un éleveur. C'est justement parce que c'est une rançon qu'ils refusent de payer. Ils disent que c'est une affaire à régler par sa famille. Avec tout ça. Avec tout ce qu'ils possèdent. On devrait pouvoir y arriver. Bien sûr, on pourrait. Mais il faudrait du temps. Ils veulent la rançon demain matin. Et en espèces. Vous êtes bien d'accord avec moi, Judith? Une seule chose compte, retrouver Marcel vivant. Bien sûr. Mais il nous a défendu de céder au chantage. Je sais, mais je désobéis. J'ai la signature. Je prends l'argent liquide. Je vais, je paye. Non, c'est moi qui irai. C'est à moi que Marcel a confié sa succession. Merci. 6. 7. 8. 9. 10 millions, tout y est. Merci, Cortier, d'avoir bien voulu vous déranger. Vous pouvez disposer. Permettez. Merci. Je dois vous avouer, mesdames, que cette opération est l'une des plus rapidement menées de ma carrière. Mais enfin, cela n'a rien d'étonnant, n'est-ce pas? D'abord, c'est la banque. Et ensuite, c'est le portefeuille, c'est un roman. Eh bien. Il n'y a rien à ajouter. Sinon que vous pouvez compter sur notre discrétion. Je vous remercie. Et où allez-vous? Plaza. Et par mesure de sûreté, je vais vous faire accompagner. Allié, vous me souhaitez bonne chance. Oh, mais j'ai faim, moi.
Puis-je vous offrir un verre? Pourquoi pas? Le café, le champagne, scotch? Scotch. Deux scotch. Vous savez, je n'ai pas pour habitude d'aborder les femmes comme ça. Surtout quand elles sont jeunes et jolies. Et là, je vous ai vu si triste, si tendue, si seule. Vous ne croyez pas si bien dire. Un problème? Oui. Grave. Je peux vous aider? Vous le faites? Mais n'hésitez pas à m'arrêter si mes questions deviennent dérangeantes. C'est une histoire d'homme? Oui. On a ces yeux-là que pour un homme. Il vous a quitté et vous l'aimez toujours? Non. Je comprends pas. Moi non plus. Vous m'intriguez. Vous m'intéressez. Pourquoi m'intéressez-vous? Dites-moi, qu'est-ce qui m'intéresse en vous? Mon genou. Non. Non, votre image. La fragilité de votre image. Le reflet fugitif que vous êtes dans le miroir que je suis et qui va disparaître à tout jamais. Qu'on voudrait saisir et ne pas perdre. Rendre éternel. J'ai envie de vous embrasser. Ici? Pourquoi pas? Vous voudriez me sauter ici dans tout le monde? On peut aller ailleurs. Puis, on peut. Mais on n'ira pas. En tout cas, j'irai seule. Merci pour le scotch. Et pour cet instant fugitif et précieux, précieux parce que fugitif. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis comédien. Je l'avais lu dans vos yeux. Et dans votre texte, beau texte. Mais si je peux me permettre un conseil, la prochaine fois, faites-le vous-même. Ou alors évitez de choisir une proie qui connaisse le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Bonsoir. Le poker, faut du réflexe. Désolé, camarade, mais l'idée n'est pas de moi. Allez, ramasse. Avec Petit Jour, on est obligé de s'absenter. Et tu sais pourquoi? Pour aller toucher notre premier milliard à Paris. Alors, comme on s'entend bien tous les trois, et qu'on tient à te garder, eh bien, pendant notre voyage d'affaires, toi, tu vas gentiment rejoindre ta malle d'osier pour y piquer une petite ronflette. Non, mais pas trop quand même. Je tiens à me réveiller. T'as rien à craindre. Notre poker n'est pas terminé. Cinq heures moins cinq. Maintenant que t'es mouillé jusqu'aux yeux, petit frère. Je vais t'expliquer la combine, parce qu'elle est inédite. Dans 5 minutes, on est à moitié riche. Dans 3 jours, on l'est complètement. Et dans 4, on n'entendra plus jamais parler de Marcel Saint-Romand. Ouais, il a l'air sympa comme ça, mais je le soupçonne d'être un peu rancunier. Tu veux dire que tu vas le buter? Eh oui. On n'est pas à notre compte, gamin. J'ai un contrat à exécuter. Nos commanditaires nous ont donné une misère. 50 briques. Légère. Légère. Et elle contribue à équilibrer votre alimentation. En tout cas, juste de quoi payer les frais généraux. Mais pour le principal, ils m'ont autorisé à me payer sur la bête. Et crois-moi, après la mise à mort, on aura les deux oreilles et la queue. C'était pas dans nos conventions, ça. Un enlèvement, ok? Mais un meurtre. Aïe! Et ça, c'était dans nos conventions? Je t'ai posé une question. C'était ou c'était pas? C'était. Là, tu vois, gamin, entre gens de bonne foi, on arrive toujours à s'arranger. C'est l'heure. Vas-y. Thank you.
Charles Thévenon.